Salut Internet, c'est Mathieu de Kiss the Cult. Aujourd'hui, on va parler de Brève de comptoir de Jean-Michel Ribes, adapté des écrits ou plutôt des recueils de mon mot piochés dans les cafés et bistrots par Jean-Marie Gouriot. Ça doit être sympa comme job, dites-moi. Brève de comptoir, le film se distingue par un casting 4 étoiles, pas forcément bien connu du grand public. Ainsi se côtoient Chantal Neuwirth, Zizé Benureau, Christian Pierreira, Laurent Gabelon, Annick Grigorio, Chevalier Laspalès, Carole Moreau, Valérie Mérès, André Dussolier, François Morel, Bruno Solo et j'en passe. La liste est bien trop longue et il y a IMDb pour ça. On va tout de même faire une petite critique à ce film qui m'a bien plu, notamment sur le côté un peu artificiel de certaines séquences, de toutes les séquences même. Mais il faut dire que réussir à ne faire prononcer que ces fameuses brèves dans les dialogues, c'était un peu compliqué d'en faire quelque chose de crédible. Point positif, une certaine amertume se dégage du film, une amertume qui ne laisse pas paraître la bande-annonce. L'histoire de ces pièces de comptoir joyeuses dans son style mais citrées dans leur solitude m'a fait chavirer le cœur. Voilà, je vous le conseille chaudement. D'ici là, on se retrouve un mardi sur deux à l'Octopussy Bar. Allez, un indice pour la route. Ce qu'il faudrait, c'est que ceux qui ont donnent à ceux qui n'ont pas. T'es bourré ?